Et salut à tous les amis, c'est Jokani et on se retrouve sur Hogwarts Legacy. Alors on devait débloquer le sort Expelliarmus pour passer à la mission suivante. Donc on va devoir faire des duels aujourd'hui. Et pour ça il va falloir utiliser Incendio. Incendio. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te défie au plateau d'attraction. Je pense qu'il est temps que tu te mesures à un vrai adversaire en dehors des cours de sortilège de Ronan. Le plateau d'attraction n'est pas qu'un jeu, c'est un duel de compétences. Ça met les sorciers et les sorcières à rude épreuve. Qu'en dis-tu? D'accord, c'est parti. Fantastique! Le plateau d'attraction, un jeu en constante évolution. Tu m'arrivais pas à la cheville. Que tu ne faisais pas attention à ce que tu faisais. Quoi, j'ai gagné? J'ai gagné?
Si j'avais su, j'aurais parié quelques gagnants sur cette manche. Tu veux réessayer? Une autre fois, peut-être. Je comprends. Reviens quand tu auras le niveau pour te mesurer à quelqu'un d'aussi doué que moi. Incendio. Bonjour Lucan, tout est prêt pour la dernière manche de joute magique? On a un grand duel aujourd'hui. C'est le moment de vérité. Nous allons découvrir si ton entraînement et ta volonté suffiront pour remporter la victoire. Tu veux essayer de remporter la victoire? Oui, c'est parti. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire? Oui, avec Sébastien. Alors, allons-y. Tu vas comprendre ta douleur. Voilà, je suis positif. Pendant ce duel. Tu veux réessayer? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance. Thank you.
une sale chose. Tu veux retenter ta chance? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance. Pas trop. On t'attend. Parfait. Bonjour Zenobia. Pourquoi avais-tu besoin d'aide? J'ai besoin que quelqu'un récupère mes baffes-boules. Elles ont été cachées en hauteur dans tout le château. Tout ce que je vous ai demandé. Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Pour lancer les sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner.
progresser, mais continuez de vous entraîner. Expelliarmus pourrait vous aider. Expelliarmus. Expelliarmus. Vous travaillez encore, à ce que je vois. Professeur, auriez-vous un moment ? Oui ? Qu'y a-t-il ? Je me demandais si vous aviez étudié à Poudlard. Oui. Je suis fière de représenter la maison Serdaigle, tout comme vous. Pourquoi cette question ? Je me demandais si Poudlard avait changé au fil des années. Je vois. Eh bien, comme vous l'avez compris, le château est plein de surprises. Je pense qu'il n'y a pas que les escaliers qui changent ici. Quant aux élèves, eh bien, ils semblent plus dégourdis cette année. Même si vous semblez tout aussi espiègle qu'à mon époque. Lorsque j'étais préfète en chef, je fermais souvent les yeux sur les taquineries des élèves. En revanche, je peux vous dire que j'ai déjà sermonné un certain Phineas Nigellus Black pour avoir mangé des plumes en sucre en classe. Je n'avais pas réalisé que le professeur Black et vous aviez étudié ensemble. Les apparences peuvent être trompeuses. Vous savez, j'ai même été blessée par le temps un jour. Par le temps ? Je n'aurais jamais imaginé une telle chose. Eh bien, c'était le risque à prendre avec mon ancien poste. Vous avez peut-être entendu dire que j'avais été langue de plomb au ministère pendant des années. Une langue de plomb ? Qu'est-ce que... Ah ! Comme vous pouvez l'imaginer, je ne peux rien dire à ce sujet. Je dirais simplement que ce travail n'était pas sans danger. Bien, j'espère avoir satisfait votre curiosité pour l'instant. Tout à fait. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Continuez à travailler vos mouvements de baguette. On ne sait jamais ce qui nous attend au château ou à l'extérieur. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baf-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Action ! C'est l'une des baf-boules de Zenobia. Je ne vois pas pourquoi elle en fait toute une histoire. Réveillons.
sont de retour. Elles sont incroyables, n'est-ce pas? Tu es sûre que tout va bien? Oui, désolée, je suis juste... Je m'appelle Nelly, au fait. Je suis juste vraiment contente que les clés du Dédale soient de retour. Les clés du quoi? Et les clés du Dédale. Tu les as sûrement déjà vues voler dans les parages. À en croire la rumeur, une ancienne directrice, le professeur Moll, les a conjurées pour protéger le contenu de certaines armoires verrouillées, il y a plusieurs années. Le professeur Black ne daigne pas désenchanter les clés, et elles apparaissent certaines années. Tu devrais essayer d'en attraper une? Et pourquoi je ferais ça? Chaque clé te mènera à une armoire verrouillée quelque part dans le château. Si tu réussis à insérer la clé dans la serrure de l'armoire, ce qui n'est pas facile, tu y trouveras peut-être une récompense. J'imagine que tu vas essayer de relever le défi, toi aussi. Oh, j'ai essayé et je n'arrive pas à aller au-delà des premières armoires. Tu t'en sortiras peut-être mieux que moi. J'aimerais savoir ce que contiennent ces armoires. J'irai tenter ma chance. J'espère. D'ailleurs, j'ai entendu l'une des clés dans la tour d'astronomie. Tu devrais tendre l'oreille pour essayer de les entendre. J'espère au moins que tu suivras quelques clés. Si tu réussis à ouvrir une armoire, j'aimerais bien savoir ce qu'elle contient. Pourquoi ce portrait? Ah!
comme je l'avais promis. Vous revoilà, Richard Shuka. J'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir. Seul un cerf d'aigle ferait tant de chemin en quête de savoir. Bien dit. Bon, que fait-on maintenant? Suivez-moi. Je vous accompagnerai aussi loin que possible. Mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort. Essayez de trouver un bain d'oiseaux. Lorsque vous l'aurez découvert, dites « intramuros ». Je crois que c'est du latin. Ou du grec. Comme vous vous en doutez, je n'ai jamais été très attentif à l'école. À part le bain d'oiseaux, y a-t-il autre chose auquel je dois faire attention? Tout à fait. Il y a plusieurs repères. Un pont en pierre, une cascade et un lac, si mes souvenirs sont bons. Cela m'aide beaucoup. Merci. Il est surprenant et malheureux de voir à quel point ces souvenirs me reviennent. Oui, vous savez, plus on se rapproche, plus les souvenirs me reviennent. Il vaudrait mieux que je vous laisse faire. Restez sur ce chemin et cherchez un bain d'oiseaux. Adieu. Au revoir. Je vous le souhaite. Je n'ai plus le choix. Je dois continuer. Voilà la cascade. Shuka n'est peut-être qu'un voleur, mais il a dit la vérité. Atmosphère étrangement solennelle ici. Les cerfs sont si majestueux. Ça correspond à la description faite par Richard Shuka. Intramuros.
correspond à la description faite par Intramuros. Shuka voulait me montrer. Allez, bienvenue ici. Je me demande si mes sorts pourraient m'aider à passer. Insane. Question de toucher à ça. Les chaussons. Action. Thank you.
Bon, et bien, on va arrêter ce let's play. On finira la prochaine fois dans notre prochain let's play. Je vais sauvegarder. Voilà, je vous dis ciao, c'était Giocani sur Hogwarts Legacy. Allez, à plus.